bien là. Là, c'est bien. Là, tu vois, t'as le bon rythme. T'as la bonne résistance. Tac. Maintenant, on va dire, là, ouais. Tu reviens vers moi. 1. Regarde, là, tu peux contrer en arm drag. Là. Sans. Non, non, juste en arm. Tu vois. Si tu prenais juste mon triceps, c'est que tu pourrais prendre mon dos. Voilà, tu vois. Reviens. Regarde. Mais si je viens. Vraiment, tu penses à un. Et là, et je viens là, essaie de contrer. Ici, on force ça m'aide. Je viens là. Toi, j'ai l'impression que c'est bon. Parce que, regarde, je vais ici, je descends. Regarde, c'est au niveau de la diatonique. Tu vois, là, je suis bien appuyé, tu vois, je te serre. Là, je suis bien serré. Et là, je suis pas connecté au niveau de l'ange pour l'instant. Là, lui, s'il veut faire quelque chose. Là, voilà, si j'arrive, voilà. Voilà, là je vais faire. C'est pas l'équation de rien. Je connecte. Là, t'as vu comment c'est chiant. Là. Si il est derrière toi, tu prends les drags, et s'il met sur le côté, et s'il bouge pas du tout, ok, il reste sur le côté comme ça, il bouge pas, il attend. On est dans le dos, on est dans le. Je commence à mettre la pression. Fermé. Comme ça, t'as les points de montée. Ah oui, les points de montée. Après, tu vas chercher. Ça va. Allez, flac! Va chercher sa, son épaule. Épaule encore, tiens! Tiens-toi droit. Que je connecte un petit peu ta hanche. Ouais, faites-le doucement, regardez. On a chopé un bon rythme. Et regardez, faites-le. On va le faire chacun notre tour, regardez, faites-le doucement. 1. Il revient vers moi. 2. 3. 4. À toi. 1, 2, vous voyez, faites-le comme ça. C'est comme ça qu'ils répètent, hein, les Russes. Ils font les Russes, les Tchétchènes, les Daghestanais, tout ça, les meilleurs luttes au monde. Tous les mecs souples. Ils font de la. Et qui font ça, ils font cette. Ils répètent 5 jours sur 7, 5 jours sur 6, et ils font sparring un jour. Un jour, ils font sparring dur. Ça, sinon, s'ils font ça. Par contre, ils font ça de 8h du matin. À la nuit, toute la, comme ça, hop, et répète, 1, 2, boum, boum, 1, 2, tac, tac, avec, sinon il tourne comme on faisait Gilles, doucement, il rentre, l'autre il défend, il se lève, que comme ça. C'est du flow drill en fait. Parce que les Américains, ils ont basé leur jeu sur le physique, d'accord, ils sont au-delà, ils sont évidemment incroyablement techniques, hein. Mais ils ont basé leur jeu, leur différentiel c'est le physique, alors que eux, les mecs de l'Est, leur différentiel c'est la finesse, d'accord. Donc, ouais, bien sûr, en faisant ça, qu'ils ont besoin de temps, parce qu'ils se soulèvent. C'est-à-dire que si tu répètes tous les, du matin au soir une technique où là tu vas venir et tu vas faire ça et soulever le mec, bah, ça veut dire que du matin au soir, tu as fait. Avec la forme de corps qui en soulevant un gars, tu vois. Donc, au final, ouais, tes jambes deviennent comme ça. Ouais. Non, Simon, lui, c'est parce qu'il se pique le. Simon, c'est parce qu'il pousse de, la fonte, lui. Ça, Simon revient en septembre. Hein. Ouais. Ah ouais. Ouais, il reste pas. Il a pas qu'il fait bien. Il est content. Il dit à Montpellier, c'est la France. Il a bien mangé. C'est ce que vous m'avez accepté, c'est le problème. Là, bah, si, il est dans la finance. Dans 15 jours. Un Polonais dans la finance, ça va, tu vois. Un Polonais, il est dans la finance, qu'importe qui passe, ça passe. Allez. C'est pas un arabe dans la maçonnerie, tu vois. C'est pas vraiment le même. Il n'y aura pas la même sélection, je pense. Vas-y. Et tu vois, au fur et à mesure, moi j'ai commencé juste maintenant, à force de faire avec eux, prendre la tête à des mecs un peu comme ça, tu vois. Là, en mode abdos, ils tournent que comme ça, tu vois. Genre tout le monde, là, tu vois, hop. Et là, tu vois, normalement, à une main, tu dois pouvoir. Tu vois, à une main, t'as déjà un coup. Tu reviens vers moi, tu avances. 1. Faut foutre 3, 4, 5. Là, je suis arrivé loin, donc je vais venir ici. Tiens, là, c'est le mec. Là, stop. De là, je suis très fort. Colonne droite, voilà, poitrine, couille, exactement. Ouais, toi, tu faut que tu touches très loin. Ouais, genre, t'as une équipe, genre, une autre. C'est bien, vas-y. Mais là, je vais faire. C'est vrai, il faut pas que tu sois guéri. Ouais, c'est ça. Tu vas regarde, t'as vu comment je fais. Je pense que je vais avoir ton dos, je vais faire un truc et là, tu prends tout de suite mon dos. Sur le mouvement ici. Voilà,
voilà, c'est bien. Éloigne un peu tes jambes de moi, voilà. Et par contre, serre-moi contre toi. Voilà, et là tu casses. Voilà. Je t'ai réparé ça en fait. Là t'es bien. C'est pas la nuit, c'est la défense du pilote. S'il fait rien, s'il reste comme ça, ton jambe, tu peux. Voilà, et tu viens là, et regarde. Et là tu vas avoir les points de la montée très vite. Et les points de Zido à faire. Tu vois, voilà. On est là. Là, j'ai eu une pression. Là c'est chiant pour lui s'il veut bouger. Quand vous êtes derrière, vous serrez bien. Là, c'est lui qui est en train de bouger. Toi, je suis vraiment. En fait. Plus on va. Je le cale. Oui, mais t'as vu qu'il a vu. Et j'attends, ou je le fais réagir. Toi, je peux faire comme ça. Vas-y, relève la main. Voilà. Et là, rien fait d'autre que. C'est juste que vu que t'as ton plexus. Mon torse au niveau. Mon plexus à plus haut niveau. Si c'est ça. Et en plus. Bah, tu le fixes vraiment ses jambes, donc il a moins de mouvement. En fait, la sensation, c'est que t'as l'impression qu'on t'a. Ça part. Faut pas oublier. Quand t'as déboîté, mais ça, c'est un peu comme le décap super. Bah ouais, c'est ça. C'est un. Ça vers le haut. Toute blague. Vas-y. Je veux dire, là, non, bien. Regarde, là, tu t'as la jambe devant. Là, moi, je viens de te faire une. T'as voulu faire trop vite. Ouais, sur le hanche. Exactement. Bah, si je fais ça, ça va rien. Si je suis là, là, je vais fixer. Tu vois là, tu vas chercher ici. Voilà. Maintenant, t'essaies pas de pousser ma tête vers le bas, tu vois. T'essaies juste d'avancer, ton poignet vers là-bas, de tourner dans la même direction. Non, la jambe elle doit être derrière. Derrière. Et ça, tu vas le tirer. Et ça, tu tiens ici. Et maintenant, tu mets ton. Tu peux tirer, tu peux un peu enlever cette jambe-là. Mais tirer tout. Non, en arrière un peu. Mais toujours tirer vers le haut. Non, sans t'arrêter. Là, juste tu tires, juste tes jambes. Éloigne tes jambes devant. Éloigne tes jambes devant. Voilà, on tire par contre. Non, tu mets tire en arrière. Voilà. Posture. En fait, tu enlèves ta jambe. Si, tu peux. C'est pas que tu peux pas. C'est que tu fais ouais, moi je suis là. Regarde, t'es ici. Là, tu fais ça. Ah, mais là tu vois que je suis non, tu fais la posture pour faire ça. Je veux dire, partir et fléchir ça. Mais t'éloignes tes jambes. Oui, mais d'abord, tu fais pas ça d'abord, tu vas faire le truc avec la jambe. C'est d'abord t'es là, ensuite elle vient vers moi. Je suis là, t'es obligé de faire le premier. Je suis là. Regarde là ma poitrine. Moi, je suis relevé. Là, en fait, j'ai vraiment un peu de temps. Là, je suis avec la chaise. Exactement. On a changé. Là. Voilà. Ah oui. Là, il avance vers moi. 1, 2, 3. Tu vas chier sa hanche, tu vas derrière. Pense. T'éloignes tes pieds d'elle. Là. T'éloignes tes fesses d'elle. Viens mettre. Je cale. Ton plexus contre son coccyx. Ah, maintenant, ton plexus contre le coccyx. Là, il est au milieu de son coccyx. Réveille tes jambes. Voilà. Maintenant, tu tiens comme ça. Tu serres bien fort contre toi. Et je vais mettre. Et maintenant, tu la désolidarises. Voilà. Regarde vers le haut. Lui, au bout d'un mois, il va vouloir revenir. Ça part tout seul. Là, je t'ai fait mal. Non, pas du tout. Tu n'as pas fait mal. Je cale, je reviens, mais je sais. Là, pour l'instant, je suis loin, je suis pas bien. Boum, je prends, poitrine collée, je garde. Ah oui, on va. Allez, ça va qui tu vas. Je reviens vers moi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128
Non, là, t'as un produit, là. Reste un petit coup, en fait, je prends l'autre. Ah bah alors, on pose comme ça. Tu peux être péché ou intelligent. Ça peut arriver. Là, reste comme ça, et lui, il se met pareil. Là, quand tu commences à voir. Voilà. Ok. Je rapproche mes hanches. Ouais. 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 Je suis bien sous. Ouais. Là, faut que tu m'aimes pas. Avancez bien votre posture. Voilà, là je reviens. Allez, flac. Ouais, flac. Flac, la poitrine. Poitrine collée, plexus, bam. Flaquise-moi ça. Et tu vas chercher. Et tu tires. Tu tires juste la forme et là tu... Regarde, c'est ça fort. Je fais comme ça. Mais toujours en arrière là, Chenin. Je vais carrément faire rentrer. Trop en arrière. Ok, poitrine, force plexus. Voilà, force plexus. Ok, colonne droite. Viens. Tourne ton pas vers un demi-cercle. Comme les prochains côtés. Pas simplement tirer le pied. Demi-cercle. Tu vas reconnaître, tu vois. Les mecs de l'aise sont toujours comme ça. Ils ont essayé de pousser la tête ouverte comme ça parce qu'ils n'arrivent pas. Plus tu vas tirer, plus tu vas faire une posture droite, plus ça va être. Je crois que c'est le test du jeu sur le droit. Comme tu vas regarder vers le cercle, on est là. Plus voilà. Tu vas lever, plus ça va voilà. Prendre. Non, là tu vas rentrer sur le droit à l'intérieur. C'est pour ça que tu vas beaucoup. Très loin, rapproche tes hanches. Parce que là tu fais toi. Ça je peux faire de lui. C'est plus simple que moi. Viens, tes hanches des miennes. Et ça va être dur pour lui de revenir sur le cercle. Je sais pas qu'est-ce qu'il va faire. Regarde, je peux tourner. Là, je suis là, boum, ramène, je suis ici, ok. Là, dis-lui de revenir. Si je fais juste ça là, il va prendre et la distance et revenir en arme vague, ou éventuellement, il va pouvoir tendre son bras. Ce qui veut dire que là, maintenant, si je suis là, je suis comme ça,
Là, plus je suis loin, plus c'est galère pour lui de réagir. Et là, pour moi, c'est facile. Mais il revient. Moi, je comprends. Il faut absolument que tu sois sensible. Très fort là. Non, là, je tire pas en arrière. J'ai vraiment faux. Ah, c'est juste, c'était tellement fluide. Ouais, puis là, il met pas de résistance. Il faut tellement faire ça. Et vraiment, tu as ton droit très très fort. Il a efficace. Ouais, non, t'essaies trop de le faire en vitesse. Pas un mouvement rapide. Regarde. C'est pas un mouvement, c'est pas la rotation, c'est juste un bonus, regarde. Ça a changé, ouais. C'est ça. Ah, vous désolez. C'est mieux avant, c'est mieux avant. Toujours, tout est mieux avant. 15 minutes, Paul. À faire sur le coup. Ouais, non. Ouais, maintenant, pense à retirer ta jambe. Allez-y. Tu fais ça, hein. Là, boum. Effectivement. Vas-y. Ah, là, toi, ce que tu fais, c'est ça. Moi, ce que je veux que tu fasses, c'est ça. Tu prends le dos. Tu reprends le dos. Tu la prends le dos. Tu viens là. Et là, maintenant, regarde ça bien vers le ciel. Tu serres fort. Éloigne-toi de moi. Mets ton plexus. Bonne posture, regarde en l'air. On est là. Bouge ton dos, tu t'épaisses. Voilà. Et là, tu tires. Voilà. Fais-le avec du dos. Faites-le tous les deux, c'est bien, lui aussi. Ramène ton coude vers toi. Voilà, tu lui fixes. Si tu fixes pas, si tu fais juste ça, tu pourras toujours attendre, même si je suis collé. Là, je fixe. Non, non, dis de trop de force. C'est juste ça le mouvement. On fixe, hein. C'est juste désolidarisé. Tu déboîtes sa hanche, sa cuisse. Non, non, parce que t'es légère. Mais... Fixe, ciseaux. Il y a un travers, tu serres fort et là tu déboîtes. Vers toi. Génial. Fixe maintenant. C'était pas mal. Wow. C'est ça, il faut plus se mieux là. C'est ça. J'arrive pas. Plexus collé. Regarde. Bien. Mais là, je vais vous parler de ça. Je suis là avec les F. Là. Non, là, qui est dangereux sous tiviette. Putain, mais là, il est 60 kg. Oui, mais ton gars, pourquoi ton gars il est là? Oh, il en fait 57 kg. Oh putain! Dis-nous là, t'as du sérieux maintenant? Regarde, vois ça, t'as quoi? Deux, tu restes un peu, tac. T'as pris un peu là. Un. Deux, et regarde là. Non. Collé avec le flexus ici. Et fesses en arrière. Ouais, ça va, tu prends sur quoi la cheville dans ce petit pied là. Et maintenant, juste en serrant en décalant, tu peux me retirer. C'est ça, son nez. Refais une petite flaque. Autre fois, une flaque, c'est tac. Ah oui. On est chargé derrière, tirer en tac. Bien. Colonne droite. Plexus, il y a une pression, tu regardes vers le haut. Voilà, mais ça revient vers toi. Faut pas forcer, les gars, vous êtes beaucoup trop en forme. Là, je vais mettre ma main sur le dos, vous sentiez comme il faut que ce soit. Mais donc, comme si tu voulais que ça aille toucher ton corps. Tu vas combattre comme ça debout. Voilà, encore. Tu vas combattre voilà, maintenant on décale. Non. Tu vas combattre debout. Voilà. C'est bien, en flash. Non, c'est trop, vas-y. Bien, tu as un pal. Si vous êtes là, les gars, le mec il va pas se poêter, il va faire ça. Voilà, ouais, c'est bien. Tu peux avoir une colonne droite et être en face. C'est quoi non. La colonne, regarde, elle est droite. C'est ça. Là, je suis là, elle est pas droite. Tu peux te désaxer comme quand t'es droite, c'est pas. Non, droite, c'est droit, droite, c'est la colonne. Regarde, ça, c'est la droite. C'est pour ça que tu as devant le derrière, c'est que tu recules. C'est pour ça qu'on est pas parallèle. Tu joues avec ton jeu de sorte de gravité. Et regarde, regardez, tu regardes ma main, elle vient. Maintenant, ramène. Tu vois, pour moi, tu aurais dû plus ramener. Regarde, tu sais, la bougette, la mauvaise. Pour moi, d'abord, ramène ton bras vers toi, pour le caler complètement, et après, tirer la main. Comme elle. Je pense pas, elle est comme ça.
là. Et si j'ai même pas fait de force, c'était des tirs vers la droite. Voilà, là tu fais. Là, maintenant, là tu sens bien. Tu vois, on y va. D'abord. Et là tu tailles sa bague. D'abord tu fixes et après tu tires. C'est ça, voilà. C'est pas l'habitude, hein. Mais qu'est-ce que je cherche? Posture, grip. Il est la vie, fixé, il n'y a pas. Fixé, ça me permet d'avoir calme. Levier, blablabla. Non. Regarde, elle fait la flex. Fais la flex. Voilà. Non mais attends, c'est de mieux en mieux. Voilà, pas sûr. Vous avez une flatte, c'est tellement pas. Mais de toute façon, flatte. C'est la projette, elle se flatte. On part vers l'avant. C'est comme ça, il n'y a rien à faire. Flag, flag, flag. C'est pas une formation. C'est pas une formation. C'est pas une formation. Si ton bras il est raide comme ça, il va pas me prendre la tête, je vais arriver là. Ce qui devient quoi, un point de vibre. Il faut que si c'est bien fait, regarde Dido. Vendredi, chaque fois. Tiens, mettez comme on dirait. Non, j'étais tout ready. Comme ça, là, reviens à la main. Ouais, vas-y, hop. Si tu veux, il vient s'entraîner avec Jean-Marc, il faut être que raide. Regardez. Faut que ça tombe dans la bonne position. Si l'adversaire il le fait pas bien, vous pouvez pas le faire bien. L'adversaire, il doit subir correctement. Le hooker est aussi important que le toy. Il n'y a pas de raideur. Il y a de la posture, mais il n'y a pas de raideur. Il y a de la tonicité, mais il n'y a pas de raideur. Si je suis raide, et Jean-Marc qui est plus léger que moi, si je suis raide là comme ça, c'est pas possible. Si je suis tout détendu, je suis sûr de le soulever. Comme au sol. T'as failli mettre un maguey dans le bout. T'as fait moyen sur Mars. Faut être un billet sur Mars. Détendu. Et c'est dur à faire en moyen de main. Faut faire debout. Mais arrive là-bas pour bout. Faut appliquer ce qu'on fait au sol. En bas, si vous faites ça là. Traductrice. Mais c'est des parpaings de paysans qui servent à rien là. Boum. Les boxeurs, vous les voyez, leurs épaules elles sont. Bon, allez, les mecs. Allez voir. Tu ne fais pas rebouger. J'en ai à la Villette. Sérieux? Je me parle de la Villette, pour des personnes. Le 3 juin. C'est un lundi, non? Non, je crois que c'est le rendez-vous en samedi. Je sais pas, c'est pour un festival. Ah, 3 juin, juin, ouais. 3 juin. Je joue à Nantes le prochain. Je joue à Rennes, je joue à Angers. C'est bien! Ah ouais, t'en as chopé des lettres là. Oh, donc, on va 26 mètres. Ah ouais? Ok, on bosse encore un peu technique. Prends quelqu'un pour m'aider, toi. Ok, Jean-Marc, avec moi. Jean-Marc. Bonne idée. Donc, là, on va bosser. Parfait. On se dans la garde. Donc, non, on garde. On en garde.
Donc mi-garde. Comment combat, comment appelle. Comme si t'es en combat. Je vais fermer, je vais ici, le gars est sur le flanc. Voilà, c'est souvent ça, on va le retrouver beaucoup en luta. En luta, souvent vous allez avoir des mecs sur le qui n'aura pas forcément en jujitsu. Parce que les gars vont chercher le code alors que là ils savent qu'en termes de grip, il vaut mieux être stable que avoir les deux là, sachant que il n'y aura plus rien, là il dévore la mer. Donc ça c'est une différence assez flagrante entre la luta et le jiu-jitsu. Là, pèse de maison. Mon partenaire, donc il est redressé, moi à quoi je dois penser ma colonne droite, dans ma base, je vais aller mettre un coup de tête au niveau de son plexus. Je sors mes hanches. Je le mets fort. Ah, laisse gâcher le plexus. Ok, tout le monde est ok. J'ai un mec là. T'as vu ça ah, déjà là, bon, mon idée, ça va être de faire un mislay. Dans un premier temps, je vais garder loin le partenaire de moi. Pour créer un petit peu d'espace. Parce que, vous avez vu, lui, il est tout petit. Il est petit. Par rapport à moi, il est petit. Et une de mes cuisses fait ses deux jambes. Donc, c'est compliqué pour sortir pour un mec qui est lourd. Donc, je crée ma distance. Okay. Et là, je recule. Il faut que je sois flat. Il faut que lui soit flat. S'il revient là, sur le côté, vous avez vu, tac, ça referme l'angle. Là, c'est pas cool pour sortir ma jambe. Donc, je suis là, hop, soit les deux là, soit le pistolet là. Je recule un peu. Je vais mettre main à la hanche, main à la hanche. Et je relève. Là en général il sera pas content, il va redresser un peu. Voilà, ce qui se passe quasiment tout le temps. Il peut mettre un reverse de la riva. Bon, il y en a, ils le voteront. Hein. Moi, mon idée ici, c'est d'avoir une posture. Donc, là, je peux être relevé. À l'époque, on disait qu'il fallait être à plat au niveau du pied, maintenant c'est plus un problème. Par contre, voir au contraire, bien. Je vais approcher. Je vais redresser mon autre jambe. D'accord, sur main sur ma hanche, pardon. Oui, sur sa hanche, tac, je redresse. Là. Mon genou, il va aller direction son plexus. Là, ça va être dur. D'accord. Donc, je m'oriente, j'appuie sur ma jambe. Tu peux revenir, regarde. Là, là tu peux encore défendre. Là, si tu es au milieu, voilà. Sous, on essaie. Comme ça. Colonne droite. Je suis là, c'est trop tard. Je descends. Je vais à côté de sa tête. Là, logiquement, 90% des gens, qu'est-ce que tu vas faire naturellement ? Voilà, c'est ce que je fais. Donc, je suis en underhook qui se décale. Colonne droite, à côté de sa tête. Si. Donc, pour tout le monde. Quand je descends. Ok, ça tire. Là, triceps. Au décalage de 90, pression. Là, je ne suis pas descendu. Comme ça. Là, je lui mets une pression. Là, tu es d'accord. Tu verrouilles ici, mais comme ça, quand il le met, tu peux parler. Ça va. Ok. Je passe. Tu le sépares. Ouais. Et on revient sur du sans kill. Ouais. Pas sûr. Mais tu peux, alors, en fonction de ta taille et du différentiel, c'est ça. Soit tu le mets au niveau du menton, et là, vu la différence de gabarit, vaut mieux que moi j'aille sur le côté. Je fais pas en fait, parce que ça rush tout derrière. Ah, ça rush tout derrière. Normalement, tu fais. Ah, ça rush grave. On est là. Il est bien fermé, il n'y a pas d'angle. Pas cool pour moi. On est en luta. On peut très bien se dire, je veux lever mon genou, mais il est trop fort, il est en train de m'agresser, m'attaquer. Je peux commencer à faire bigote, faire style. Voilà, là j'ai vu, vous avez vu ce que ça fait. Ça crée de l'espace parce que là je le mets en danger, même si je l'aurais jamais. Un de rook. Passer. Là, je vais loin, comme ça, ça me permet d'avoir un monde de rook. Loin. Il descend. Ma colonne est toujours droite. Prends son triceps, là il réagit plus, mais dans la vraie vie il réagirait. Voilà. Je pose, moi j'aime bien poser pour avoir une base forte. Ciseaux, ma hanche est collée. Je pourrais potentiellement, pour les plus avancés, rebloquer là, ou revenir travailler là. Tac. Soit là, soit là, soit là, soit là. Ok. Au début, on commence juste avec un sans kill. Il y en a un petit. Au lieu de passer un petit peu, tu peux mettre l'épaule. Tu peux avoir un mec. On va taper dessus. Je vais faire peut-être. Il est bien réussi. Non. Vaut mieux que tu joues sur une bonne posture que sur un excès de pression. Donc, on est là. Là, pour moi, c'est plus simple. Grand segment.
je vais être là, limite, j'ai pas besoin de le mettre flat, ce qui serait faux techniquement. Mais là, en combat, quand on est un peu énervé, on peut faire. Nous aussi. Voilà. Regarde. Et là, il a souvent été mort, mais souvent il va vouloir en tirer ça, son triceps. Comme quand on fait le truc, en papillon. Revenir, pression là, placer mes hanches, qui met une pression. Et tu fais déjà là pour lui, parce que je me disais tout à l'heure. Comment ça revenir. Qui est sympa. Cross face. Revenir, revenir. Et là, voilà. Là, tu fais comme ça. Tu vas, voilà. Et là, tu passes. Ok. Si tu peux. Et donc, soit comme ça, soit comme voilà. Ça. Voilà, sors ton pied, sors ton pied. Boum. Par contre, faites en sorte de jamais avoir les mains flat. C'est là. Quand vous faites celui-ci, vous savez toujours redresser ses mains. Et là, je tourne juste ton pied. Donc, tout de suite là. Le plus vite comme possible ici. En fait, là, s'il se remet bien flat complètement, parce que là, il te revient. Et je vais galérer. Là, ici, en plus, il est léger. Tu peux la sortir là. Tu peux, mais c'est galère. Là, j'ai quand même un crossfire, j'ai pris la balle de mon sort. Là, je suis comme un con en train de me dire que je dois fuir de mon propre truc où je suis fort. Alors que si tu fais ça, là, je suis toujours redressé, même s'il me revient. Et là, regarde l'épaule, comment elle est galère. Tu mets vraiment le crossfire. Voilà. Ok. Allez, tu mets. Parfaitement propre. Je vois bien. Tu vas avec. Excellent. Encore. Avec la team énervée. La team. On a plein de teams différents. On a la team flash. On a l'exemple absolu de la team flash. C'est quoi cette flaque? Putain, flaque et flaquette. Tu peux mettre une flaque, toi. T'as pas le but. Ton but, c'est de passer la garde au départ. Tu vois, c'est pas de. Le contrôle, ça vient après, mais le but déjà, c'est que, tu sais, elle est en gros, Marcelo, tu sais, il se jette. Non, c'est ça. Voilà, sauf que il faut que. Là, tes mains, tu les mets dans la tête. Regarde, là, tu vois, si tu jettes pas assez. Tu pourras, c'est bon. Tu la jettes, quoi. Là. Regarde, rien. En dessous. Mais elle, elle doit être vers moi, non. Qu'est-ce que je te disais tout à l'heure. Ça, on est sur la c'est comme ça. Et là, maintenant. Et là, tu passes un endroit. Ah, tu vois. Eh oui, mais va la chercher. Va la chercher, on a rien. Moi, on va. Allez. Mais ça, c'est plus dur, hein, mais quand je range les choses, c'est pas. Là, c'est là. C'est dur. Et là, il y a des droits. Sans guide, pas de place. Où est ta manche au sol? Voilà. Et là, tu reviens tout de suite. Et là, là, en fait. Tempo, juste pour répondre à une remarque de Didou. Viens. Vas-y, au plus grand merde. Là, tu as franchi, t'es pas au sol. En jiu-jitsu, oui, c'est pratique à passer tout en alcool. Là, on n'a pas le code, donc on peut faire un coup. Sinon, tu vas arriver au-delà, tu veux plus de poids sur moi. Non, tu veux te barrer. Ici, le partenaire est là. Type, je vais faire vraiment du poids sur moi, c'est pas non plus ça. Voilà. T'es bien différent. Là, je suis monté. Moi, je passe la carte. C'est quoi, je perds de poids pour te... Non, je vais. Quand on va bouger, ton poids, il va rester plus. Parce que le mec... Tu veux t'échapper de ça le plus vite possible. En gros, quand je suis là... Sans aller trop loin. Le... Je le fais action. La finesse, c'est d'être pas trop loin, pas trop près. C'est ça, d'habitude. Mais là, logiquement, même si tu l'as pas en luta, dans un... Regarde, là, t'étais trop sur moi. C'est-à-dire que si t'es en mode... De temps, si tu fais ça, jette ta tête en arrière. Ouais. Ok, par contre, on est vraiment sur un limbo, hein, avec mon bouta. Je suis en train de la laisser le soulever, je reviens. Regarde, t'es un peu sur moi. Et là, je l'ai pas. Tout juste là,
Regarde, vas-y. Ah, je suis dedans. Mais c'est beaucoup plus tonique. Donc, là, plus besoin de. Tu vois, je me jette contre, genre loin de toi. Et je suis tout de suite revenu. Et dès que ça foire, boum, tu vas pouvoir revenir dans ta base. Tout de suite là. En jugé, tu sais. On m'a fait impression. Mais le Luta, c'est vachement plus tonique. Hein. Moi, ça dépend de qui. Là je suis en train de penser à des légers en jujitsu, ils sont sur tonique, mais vas-y. Vu qu'on n'a pas le grip, on a moins de côté frottement, donc on a plus de possibilités parfois d'être moins pur techniquement, mais plus juste au niveau forme de corps. Techniquement, on n'est pas juste, t'es pas mis dans le rouge. Ah là, tu t'es jeté quand même. Mais je suis bien à mon ciseau, ma bonne posture de corps, et je suis rapidement revenu, je suis assez dynamique, ça peut passer. Chose qui me passe à temps juge. Je vais faire un truc, attends. Toi, c'est en ça où c'est très différent. Qu'est-ce que je vais bosser? Ok. Dimao. Tu veux faire une? Ouais, non. Vas-y, dis-moi. Flaque et flaquette. J'ai perdu son nom ici. Allez, flaque. Non, attends. Déjà, flaquette, laisse flaque. Voilà, remontez ça en son genou. Bien, maintenant, pose, il faut que tu sois comme ça. Voilà, forte. Tu sens forte. Ça se fermait, si. Laisse du merde. Non, t'as fermé. Ça va, regarde. Flaqué, tout ça. Ok. Là, ça va. D'accord, maintenant, ton bras droit passe sous son aisselle. Pas bon gauche. Là, tu vas décaler ta jambe gauche à 90 degrés, mettre ta tête sous son menton. Colonne droite. Voilà, mets la pression. Et là, tu vas du côté de ton côté droit avec les genoux. Boa. 90. Mets la pression sous le visage. Là, elle est trop bien, là, chaunette. Garde toujours tes hanches hautes. Mets une pression avec tes hanches sur ses hanches. Fais un ciseau. Voilà, reviens en 100 kilos. Prends soin de ça. Non. Mais au début, mais ça va être sur le plexus. Ouais, tu pousses, mais c'est déjà parfait. Là, t'es bien. Ça sert à rien. Avec les mains, ça va être dur. Tu mets tout ton corps. Ah, avance quand même, tu restes même séance. Ok. Tout le monde qui sort ce matin. Tu la pousses. Ouais. Ah, d'accord. Merci. Oui. Non, là il faut absolument que tu ailles underhooker. Hein. Il va te manger le dos. Voilà. 90. Là, il faut jouer avec le pied. Là, tu tires sur le triceps. Voilà. Dans ce cas-là, tu mets ta tête à côté. Voilà, à côté de la sienne et tu pousses ta tête vers l'extérieur et tu pousses ton genou. Allez. Wow. Et là, à ce moment-là, je peux passer. Pour que ce soit large. Comme ça, je m'en prie de pas dans la balle. Donc, avant de repasser. Niveau du plexus. Ouais, c'est ça. Donc, tu reviens en fait vers là. Tu reviens par là. Je suis là. Ah, c'est bon, elle est par terre. Vous voyez? Ah, je dis, mais en fait, t'as un petit rhino, toi. Désormais, rhino, tu seras. Tu fais la garde fermée maintenant. Hein? Demain, le séminaire, c'est que garde fermée. Que garde fermée? Que garde fermée. C'est bien. La Fédération française, j'ai mis du crâne. C'est 2
fédération C'était j'arrive pas à venir ici. Toi, mets ton poids sur moi un peu. Ah oui, je l'ai vu sur la vidéo. Flak, tu flagelles moi comme ça, c'est lui. Ah oui, c'est le Rino et Flak, là, on a quoi ça. T'as vu la position de Fabien, garde fermée là, qui a posté. Regarde. Il est chiant, hein. Il vient, regarde, mais avance vers moi. Il sort. Il vient ici. Voilà, c'est ça. Ah, il vient là. Tu sors ton pied sans problème. Tac. Et après, c'est là où. Après, ici, il vient là. Il ferme ici. Il ferme en triangle. Puis il descend. Il vient là. Vas-y. C'est très bon. Allez, on va jouer un petit peu, on fait des cœurs en Attendez. Il y a un défi là. Là, debout, allez, hein, vous mettez en cercle. Il y a un défi. Il y a Rino versus Flak. On a 5 minutes. On a un défi là. Debout, tout le monde en cercle. Rino versus Flak. Ça devient gênant. C'est toi qui as défié. Hein. Rino versus Flak. On peut tourner, mais attends. Il y a 5 minutes, c'est à la soumission. Ouais, c'est fini. Allez. Alors. Ah ouais, faut pas trop. Ah non, mais là. C'est quand on part. Là, on m'a fait. Rino. Prête. Flak, prête. Fight. Ouais, voilà, on a un arbitre officiel. Allez, vous pouvez encourager. Allez, Claire, vas-y! Allez, Flak! Ouais, Rino! Vas-y! Wow! Deux points! Allez, Rino, pose tes mains! Pourquoi t'as des petites mains en mode crochet? Allez! Allez! Et combien, bravo! Ouais, c'est bien, allez, go! Y'a avantage là. Non, y'a rien là. Putain, mais toi, tu vois des avantages à chaque fois que toi, tu te retrouves des. Elle a passé en. Sauf demi, là. Bah ouais. Mais c'est une demi, on s'en fout. Elle est dessus. Bah, demi, elle est dessus. Et après, on a fait FF, j'avoue, y'a avantage. Y'a avantage. Et elle est FF, on s'est passé. Ouais, ouais, ouais. Et la guille, là. Eh, Flak, tu fais quoi? Flak! Oh! 4 points, plus 4 points, ça fait 8. Oh là 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 là! On est d'accord, c'est plus qu'un avantage. C'est plus qu'un avantage. Pourquoi il y a 3 plus 4? Il y a 4 plus 4. Mais non, elle a pas tenu la position, elle est montée. Allez, c'est... ouais, bon. Allez, le 2, c'est quoi? Le 2, c'est quoi? Ouais. Et les 3, du coup? 3 de passage, parce qu'elle est passée. Ouais. Prend 4. Dans tous les cas. Avant, elle prend presque la montée, mais elle la garde pas. Ouais, avantage, soumission, c'est terminé. C'est ça. Et du coup, le 3. Allez! Passage, elle était au-dessus, elle passe. Dans tous les cas. Ouais. L'autre donne son dos, elle prend. Moi, j'avais compris que si. Allez, tu passais, prenez un partenaire, on est parti. Allez, 5 minutes. Moi, je pense qu'elle avait
je pense que j'aurais donné le passage, je suis pas sûr. Elle n'est pas assez attendue. Didou. Ah, c'est ça, c'est pour ça que j'ai les 3 points. Mais bon, ouais. Parce qu'elle est à la limite. Tu viens, Jean-Marc ? Ah, moi je vais commencer à caler. C'est chaud. Elle commence à être là. Allez, allez, go! Toujours. Je vais me faire défoncer. Thank you.
Allez, beaucoup sur les yeux, après ça. T'as vu quand j'étais là, t'as changé ta posture et tout ce mobilier s'est barré. C'est ça. Direct. Allez, go. On marche. On tourne. Go. J'ai fait le projet. T'es bien. T'as vu comme ça trouve un angle bizarre, hein. Ouais, c'est une fois que moi. Allez. Allez, go, 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 go. Ouais, je prends le secours. Tu penses à la gueule ? Je crois que tu es parti pour sinon tu vas me défoncer pour rien. Allez, Rino ! Allez, Rino ! Allez, Rino ! On bouge, on bouge, on bouge, on bouge. Chipote.